Salut YouTube, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, une des dernières vidéos qu'il y aura sur ma map. Au tout début de la map, j'avais fait un message parce que sur le Discord, il y a un channel clip où j'ai dit juste mettez vos clips et un jour on réactera au clip. Et voilà, on est ce jour-là. Donc on va regarder les clips des gens, les dingueries qu'ils ont fait, les fails, les trucs marrants, etc. Je sais bien qu'il y a 2-3 trucs sympas à regarder, donc voilà, à mon avis, il y aura du content, quoi. C'est parti, hein. C'est parti en légende, hein. Je pense qu'on va commencer après mon message. Carottage. C'est quoi ça? Putain, mais il passe tous les niveaux comme ça. Gapple, je pense qu'il prépare une vidéo sur ma map en freestyle, il me semble, hein, qu'il m'avait dit. Donc là, il est pas en... Jidek, comment ça? Comment ça tu peux toucher là-bas à travers le sol et par Izette? Bizarre Jidek, bizarre. La vitesse directe à la fin. Ça c'est moi, clip de moi. Je réacte à mon propre clip. Mais regardez. C'était, je pense, si je me trompe pas, c'était l'époque où il fallait faire 10 sur 10 avec 4000 et pas 5000. Oh la gueule de mes runs, j'ai step up depuis, j'ai vraiment glow up. Hein. J'ai vraiment glow up de fou. Hein. Réacception. Regardez-moi ça, ce reset à la fin, les gars. J'ai jamais vu ça de ma vie. Comme easy. 4000. Maintenant, c'est que des 10 sur 10 partout, mais bon. Hey, j'ai le même t-shirt. Je suis vraiment le puant originel. Alors, ici, on nous propose un pinch à 175, à 177, à 184. Qui dit mieux? 184 pinch. Ah, c'est vrai qu'il a ses pinches bizarres, lui. Wesh. La balle, limite, elle glitch tellement elle part vite, frère. On dirait pas, elle se téléporte? Très, très sus. Je pourrais tous les thémas. Mais pourquoi regarder un pinch à 175 quand on peut regarder un pinch à 184? Nous, on veut l'excellence ici. Pinch tout droit comme un bot. Genre, il a fait 180. Mais il a pas fait exprès, frérot. Il a pas fait exprès. T'es mal, la voiture, le son du jeu, tout. Y a rien qui va. Après, beau pinch. Néanmoins, bon pinch. Je comprends pas comment elle part aussi vite. Je comprends pas comment elle part aussi vite. C'est une dinguerie. Failed slingshot setup. Quelqu'un sait c'est quoi un slingshot? Ah, la cam de nature, mais ça, c'est les joueurs, ils ont. Oh, j'y ai cru. Oh, oui. Attends, il va rater ça? Mais attends, c'est quoi ce setup de fou? Mais c'est incroyable ce setup, frère. Bon, par contre, c'est vraiment un flop sur patte. Hein. C'est vraiment un flop sur patte de zinzin. Hein. Il s'est écrasé sur le mur. Franchement, je suis pressé de voir la vidéo de Gapple sur ma map. Fail, anneau, double rebond sur la map. Comment ça, mon ref? Ok. Je sais pas où il est, l'anneau, il est là. Ma pachanas. Si je fais 3,6, c'est une catastrophe, les gars. Il s'est vraiment fait ratio par l'anneau, frère. Oh, ça! Ça, les refs, je l'ai vu, le clip là, par contre. Mais j'ai déjà fait le même et ça me fait chier de regarder quelqu'un d'autre le faire parce que je vous jure que j'ai déjà fait, le chat en est témoin. Ça c'est être un giga chat. Donc là, Rexor, pour ceux qui savent pas, il tryhard les world records. Donc il tryhardait le 80 sur 80. Il se fail au niveau 2. Qu'est-ce qu'il fait, le giga chat? Premier flic. Wow, c'est flic à... Ça va manquer, c'est flic à breakout. Hop, 10 sur 10. Pinch. De pinch de raciste. Hop. 10 sur 10. Et il est back à l'aérial. Il lui a fallu 35 secondes pour revenir. Et ça m'est déjà arrivé. J'ai déjà raté l'aérial, genre niveau 3-4. Et j'ai fait 10 sur 10 mes deux premiers tries. Mais j'ai pas pensé à clip. I just tried the sax. NSC, I just bugged it. 1 minute 20 le clip. Attendez, on va skip un peu. Oh my god. Reset, Musty. Oh my god, troll. Bizarre un peu le cri. Oh my god, the fuck. 999.
Après, la manière dont le truc est fait, c'est la balle, elle va continuer à tomber tant qu'elle atteint pas un obstacle. Donc là, techniquement, là, il a déjà dépassé le sol, mais ça va aller jusque 9000 parce que en gros, ça doit toucher le bottom de la map. Du coup, c'est 9000, mais c'est 9000 un petit peu frauduleux, quoi. Mais c'est vrai qu'il est sorti du terrain. Impressionnant, impressionnant. J'en ai pas vu beaucoup des clips comme ça. Ouh, ça, je pense que ça doit être presque... 1405 flics. Attendez. Il est même pas si haut que ça, hein. Wow. C'est trop une dinguerie, frère. Non, en fait, la balle part trop vite. C'est même pas... C'est haut, mais c'est pas si haut que ça. Mais par contre, la vitesse à laquelle elle va, c'est vraiment une dinguerie. 9. Gappled. Qu'est-ce qu'il va faire? Oh! Non, c'est trop une dinguerie. Non, c'est trop une dinguerie. Comment ça, tu peux réussir à faire ça? Il y a déjà eu des moments, bah moi, genre, j'ai atterri bizarrement, ça a repop la balle et j'ai pu la reprendre. Mais qu'elle rentre au point de, genre, au point de faire ça, j'avais jamais vu. Putain, mais il nous a offert une ribambelle de clip. Level 3. Ah, là, c'est le niveau 3 qu'on a vu avec le fail, mais réussi, quoi. Donc, pour ceux qui savent pas, c'est des freestylers qui veulent passer la map d'une certaine manière. Et en gros, ils se disent, j'ai envie de passer le niveau comme ça. Et j'ai envie de passer le niveau comme ça, il essaie de le faire. En vrai, stylé, hein, franchement. Rebond avec le truc. Après, il reset musty. Niveau 1. Qu'est-ce qu'il peut faire au niveau 1, le frérot? C'est un tout droit. Tu es gris. Mais frérot, on va tout droit. Alors, En vrai, c'est impressionnant parce qu'il a vraiment enchaîné les musty très très bas sur le sol. Il en a fait combien? 4, 5? Non, propre. Propre respect. Donc on va voir à quoi ressemble un world record du tube. Attendez, merde, je suis con. Attends, on va remettre le clip parce que il y a de la musique dedans, c'est peut-être flop. Enfin, c'est peut-être flop pour YouTube, quoi. Donc là, il fait speed flick. Ici, il saute vraiment pour être pixel. Waouh. Là, c'est au millimètre près. Waouh. Ah, il flic ici? Ah ouais. Ok, là, je suppose qu'il passe à gauche, non? Ok. Wow, tout est au petit de fou. Hein. Il s'est vraiment pris la tête. Hein. Ok, là, il a pas lâché le boost une seule seconde. Ça marche, mon frérot? Non. Je vous jure. Pour être quelqu'un qui a tryhard le tube, quand même, mécaniquement, faire ce qu'il est en train de faire, c'est une dinguerie de fou. Et là, la balle, elle est où quand il termine? Waouh. Vraiment un truc de baiser. Non, c'est un truc de fou. Je rappelle que pour faire 10 sur 10, il faut toucher la balle en 52 secondes, un truc comme ça. Non, c'est trop impressionnant, frère. Et en gros, pour ceux qui savent pas, je me suis gardé, je me suis pas spoil le clip. J'avais dit pour rire que dans la map, quand il y a le air dribble, tout au loin, il y a le truc Eversax Olympics avec des anneaux. Et j'avais dit parce que Gappled, il voulait faire des dribbles. Je lui avais dit, frérot, si t'arrives à mettre la balle dans le truc, je te donnerai 5 euros ou 10 euros, je sais plus ce que j'ai, genre 5 ou 10 euros. Et en gros, Delcor, il s'est pris la tête, il l'a fait. donc voilà. Donc, on va voir comment il fait ça. Un kebab, je crois, souvenir. Je sais plus, je lui dis 5 ou 10 euros, à mon avis, je donnerai 10. Là, il monte très 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 haut. Après, je sais pas si vous vous rendez compte à quel point c'est loin. Je pense que ça doit être à 10-12 000 mètres, un truc comme ça. Ça m'énerve. On dirait un bot qui a dribble, frère. Il n'y a presque pas des rolls. Il fait toujours les mêmes touches. Et pourtant, c'est vraiment ce qu'il faut faire, quoi. Prend tellement de hauteur, frère. Là, je pense que personne ne se rend compte. Dites-vous, là, il est à 4 000 mètres. Hein. Donc, déjà, 5 000, c'est le 10 sur 10. Je peux descendre la cam. Comment ça? Pour le score. Mais il n'y a pas de score, il est en free play. Ah, vous voyez pas les mètres? My bad. Oui. Okay. Bon. Il est tellement haut, frère. Genre,
C'est dommage qu'on n'est pas dans le jeu et qu'on peut pas genre ballcam off. Mais je vous jure qu'il est là, il est encore beaucoup plus haut que le stade et il est déjà à 8000 mètres. Comment tu veux que ce mec-là, il soit un... Waouh. Let's go. C'est vraiment une dinguerie. Il a 11 000 mètres, frère. Je galère ma race à faire 5 000 mètres alors que je fais des setups de... J'essaie de faire un setup de fou. À la fin, je reset et tout. Et lui, il fait 11 000 mètres, genre banal. Et je sais pas si vous avez vu juste le try d'avant. Il était tout proche et il a troll. Donc ça veut dire que deux fois de suite, il arrive à faire un travail comme ça, quoi. Bah écoute, ça marche. Dernier truc qu'on doit se regarder. Il y a Rexer qui a submit un record du monde pour le parcours. Donc c'est 4 minutes, c'est un peu plus long. C'est cool parce que même s'ils tryhardent plus le 80 sur 80 parce qu'ils étaient un peu frustrés, ils tryhardent des world records ou des défis comme ça sur la map. Donc c'est sympa. Donc j'ai envie de voir ça ressemble à quoi un world record parcours. Déjà, on sent l'opti, hein. Déjà, rien que là, au niveau 1, tu sens l'opti de toucher vraiment sur le côté les trucs pour pas perdre de temps. Waouh. Non, je vous jure qu'il a fait deux niveaux, c'est déjà trop impressionnant, frère. C'est trop une dinguerie comment il a... Trop une dinguerie comment il est genre ultra serré. Attends, je crois que j'ai mal vu, là. Oh, j'ai mal vu ce que je viens de voir. Donc là, il wave dash. Là, il wave dash. Très bien. Ça marche, frérot. Ça marche. Non, frérot, il est... Non, ce mec est trop fort. Ce mec est trop, trop fort. Sa mère, c'est une dinguerie. Ok. Je me demande comment il opti ici la vitesse. Donc là, il a cramé tout son boost. Ouais, il opti vraiment en restant en supersonic et montant pas très haut, quoi. Ok. Ok, on avait déjà regardé Rexer faire des runs, il faisait déjà ces strats-là. C'est clean, hein. Ouais, c'est vraiment clean de fou, hein. Le rattrapage. Ok, il a perdu du temps. Il a perdu du temps. Techniquement, il peut aller plus vite que ça. Il joue vraiment avec le feu, ce bâtard. Quand vous regardez, pour gagner du temps, il atterrit sur le coin du truc. Et donc, comment dire, comme il atterrit sur le coin du truc, il recover à moitié, mais ça passe, quoi. Ok, je pense qu'ici, il perd du temps un peu. C'est pas calculé. Je pense qu'il se fait juste confiance, hein. Il continue à faire cette strat, hein. Après c'est vrai qu'elle est rapide, la strat, hein. Ok, il a wave dash ici pour aller plus vite. Ok, pas mal. Moi, je suis pressé de voir le niveau 10. Je pense que le niveau 10, ça va vraiment être une grosse dinguerie, frère. Ok, je pense qu'il... Enfin non, ouais, non, Super Sonic, il pourrait pas vraiment aller plus vite. Super nickel. Salut le GOAT. Merci Rain pour le troisième, mon gars. Ça va, quoi. Ok, jusque là, classique. Après, c'est pas vraiment des niveaux que tu peux opti. Ah, celui-là aussi, ça va être intéressant. Comment est-ce qu'il fait? Ok. Ok. Ok, jusque là, classique. Je faisais comme ça aussi. Ok, donc là, il préfère utiliser du boost pour cut. Ok, double saut. Ouais, après, c'est vrai que c'est pas non plus optimisable de fou parce que déjà le niveau est calculé pour les trajectoires, quoi. Très très bien joué ici. Et donc, du coup, il va pouvoir cut. Ah non, c'est vrai que c'est plus rapide de speed flick. Waouh, ça marche. Et jusque-là, rien d'impressionnant non plus. Après, dites-vous, c'était le seul à travers le world record, donc il n'a pas non plus... Genre, il n'y a pas non plus 5 mecs en train... Ok, il cut ici. Sympa. Il n'y a pas non plus 5 mecs en train de turbo-opti le niveau, quoi. Donc là, je pense qu'il sait qu'il a une très bonne run. Il va pas non plus prendre des risques démesurés parce que il fait ça contre lui-même, quoi. Et jusque-là...
Jusque là c'est plutôt classique, après t'es obligé de respecter les timings. Je suis curieux de voir comment il va gagner du temps ici. Ok, wave dash contre le mur. Ouah, ça va vite hein. Ah, il cut la rampe. Super nickel. Intéressant. J-deck. Attends. C'est beaucoup explosif pour le septième, mais attends, il y a un problème. J-deck. Pourquoi? Pourquoi les plateformes elles bougent pas? Pourquoi là les plateformes elles sont FK et ils s'amusent à rouler sur le mur? Une explication? Il prend pas le trigger en cutant. Ah, smart. Smart. En vrai, je trouve ça stylé. Franchement, je trouve ça stylé parce que là, il doit double saut, puis il doit recover. Il arrive avec le boost tout nickel. En vrai, respect. En vrai, respect. J'accepte. J'accepte. J'accepte, voilà. Je pense que c'est tout. Je pense qu'il y a, il y a plus de clips. C'était sympa. Franchement, c'était cool. J'espère que ça vous a plu. YouTube, si t'as kiffé la vidéo, n'oublie pas le petit pouce bleu, t'abonner à la chaîne, ça fait plaisir. Mettre le petit commentaire, la cloche, tout ça. Et si vous avez, en jouant à la map, sauvegardé des clips marrants ou des trucs comme ça, n'hésitez pas à rejoindre le Discord de la map et postez-les. Et s'il y en a beaucoup, on refera un petit react. Hein. Donc voilà, à la prochaine. Merci beaucoup. Des bisous.